Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, ben je vous souhaite la bienvenue et j'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous avez cliqué, c'est que comme moi, vous aimez beaucoup les pattes def, les pantalons flare. Moi aujourd'hui, je vous en propose deux, un noir et un jeans. Deux modèles identiques mais de couleurs différentes. Comme ça, vous avez un peu plus de choix et un peu plus de façon de les porter. Je vais vous proposer des looks élégants, casual, beau, un peu tout. Donc vous allez voir que porter un pattes def, c'est tout un art et qu'il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Si ça vous intéresse et si vous appréciez ce genre de pantalon, on continue. Je commence les 4 looks avec le premier qui est un look plutôt beau. Je commence donc avec le pattes def en jeans, le basique je vais dire. C'est un pattes d'éléphant que j'ai acheté chez Springfield. Ce magasin, en fait, je dois avouer que j'y vais pas souvent. Ce jour-là, je passais devant et j'ai vu le pantalon flare en vitrine. Je trouvais qu'il tombait super bien. Donc je me suis dit, faut que j'aille l'essayer. Et en effet, c'est vraiment une perle. Je l'ai depuis quelques années. Donc ici, je le porte avec mes talons de chez Stradivarius. Et je porte ça donc avec un chemisier beige, un chemisier que j'adore. Le look, je trouvais qu'il était super hippie chic et j'adore ce côté boho. Surtout pour cet automne, je dois avouer que j'aime beaucoup tout ce qui est hippie et boho pour l'automne, les longues robes à fleurs. Je pense vraiment que ça va être le look de l'automne. J'essaierai de faire une vidéo sur ce thème si ça vous plaît, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ici on peut voir mon chemisier beige avec les manches super larges. Vraiment c'est un chemisier qui se met avec tout. Je l'ai déjà mis avec des shorts en jeans, j'ai déjà mis avec des pantalons slim, il va avec tout, je vous assure. Et j'adore ce premier look, c'est certainement mon préféré. Pour le deuxième look, toujours avec mon pantalon flare en jeans, mais cette fois un peu plus cool, un peu plus décontracté et surtout un peu plus 80s, 90s. J'ai mis mes cross baskets style buffalo, donc c'est pas des vrais buffalo. Je vous avais déjà présenté ces baskets dans une ancienne vidéo. Je les avais achetées donc à Aken. C'est vraiment des baskets que j'adore, elles sont vraiment atypiques. Et je trouvais qu'avec le pantalon flare, ça donnait un look complètement différent que le précédent et qu'avec des chaussures un peu élevées. Je dois avouer que les pantalons flare en général, j'aime beaucoup les porter avec des compensés ou des talons, parce que c'est comme ça qu'il va affiner le plus la jambe. Mais cette fois-ci, j'ai voulu changer et donner un look un peu plus décalé avec ces cross plateformes. Je trouvais vraiment que ça allait bien avec le pantalon flare. Et donc, pour rester dans vraiment le look 90s, j'ai mis mon petit t-shirt avec des cerises dessus. Je trouvais que ça faisait vraiment rétro. Ce t-shirt, il vient de chez Bershka et le look est juste canon. Passe au pantalon flare noir. Ça change un peu, il est un peu plus taille basse. Mon pantalon flare en jean est beaucoup plus taille haute. Pour le premier des deux looks avec le pantalon noir, je propose donc ce petit chemisier, un vent dehors mais très très dehors. Donc c'est vrai que c'est un look assez osé, mais je trouvais que les couleurs étaient parfaites ensemble et puis avec les petites marguerites comme ça, ça donne aussi un côté beau, un côté hippie dont je suis fan comme je vous ai dit pour cet automne. Donc je trouvais vraiment que c'était top. Le haut donc il vient de chez Zara et il a avec un pantalon, c'était un ensemble. Et dans mes pieds, donc je porte mes talons Public Desire que vous connaissez maintenant. C'est un look très décalé, très osé. Je le porterai certainement pour des sorties en copine ou plutôt des petites journées shopping quand il fait encore un peu chaud, parce que c'est vrai qu'on arrive en automne et donc il fait beaucoup plus froid. Donc montrer son ventre comme ça, ça reste un peu difficile, mais avec un beau gilet long noir au-dessus, ça sera top de chez top et j'adore ce look. Le dernier look que je vous propose aujourd'hui, le quatrième look, c'est toujours avec le pantalon noir. Et cette fois-ci, c'est un look plutôt élégant, je dirais. Déjà, pantalon noir, c'est élégant. Pas def, encore plus élégant. Ici, avec un t-shirt comme celui que je porte là, ça reste un look très classe. Donc ici, j'ai mis un t-shirt de chez Zara. La matière est juste top, elle est élastique. Donc le t-shirt imprimé, l'imprimé qui est vraiment tendance cette saison. Donc l'imprimé léopard, jaune, légèrement moutarde, fluo. Donc vraiment
dans les tendances de la saison pour rentrer dans l'automne. Je trouve ça juste parfait. Les couleurs sont vraiment de saison. J'aime beaucoup l'ensemble, le t-shirt avec le pantalon fer noir. Et dans mes pieds, j'ai laissé donc mes hauts talons pour bien élancer la jambe. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive en automne, on arrive donc dans une période un peu plus fraîche. Et mettre des talons avec les pieds comme ça nus, c'est plus trop agréable. Il va commencer à faire froid. Donc, je propose de switcher de talons à peut-être bottines. Des belles petites bottines à talons, évidemment ça ira aussi parfaitement. C'est vraiment un look que j'adore, un look très passe-partout, donc vraiment pour tous les jours et très classe et élégant. Et donc voilà, on finit en beauté avec un look que vous pourrez porter pour toutes les occasions. Et voilà, je vous ai déjà présenté mes 4 looks avec un pantalon flair. J'ai toujours adoré ce genre de pantalon. J'ai toujours aimé le côté un peu boho, le côté un peu hippie. Et ce genre de pantalon vient de cette tendance. Donc vraiment ici, je vous partage mes pièces favorites. Et ces deux pantalons en font partie. Donc j'espère vraiment que ces 4 looks vous ont plu. Et qui vous ont donné des idées sur comment porter un pantalon flair. Pour changer de talon à basket, à bottines. Donc voilà, vous avez le choix. J'espère vraiment que ça vous a inspiré. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre j'aime à la vidéo. Pour voir plus de looks, de tenues que je vous propose, vous pouvez me suivre sur les réseaux et surtout sur Instagram. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.